Dans le cochon, tout est bon. Bonjour, Guillaume Subilo, la rayette à Jojo. Je suis agriculteur éleveur. Je suis en céréales bio. Je viens au marché gourmand depuis une quinzaine d'années. Le marché de producteurs le premier vendredi de chaque mois. J'ai 160 hectares de céréales en bio. J'élève mes cochons moi-même. Il y a toute la viande de porc, saucisse, boudin blanc, boudin noir et toute la charcuterie qui va avec le cochon. Ben bonjour, Thierry de la microbrasserie Porcupine. Donc fabrication de bière artisanale. Lui, c'est une première sur le marché de gourmand de taux. Là, on a fait des petits coffrets agrémentés avec des produits qui viennent de la Brenne. Donc, on a des produits de chez Fish Brenne, c'est des terrines de poisson. Et après, on a des biscuits aussi apéritifs artisanaux. C'est sympathique, convivial, c'est intéressant. Nous faisons plus particulièrement des blancs secs, demi-secs, moelleux, des méthodes traditionnelles. En brut et demi-sec, une méthode rosée, pareil, en méthode traditionnelle, un crémant de Loire. Et nous faisons un jus de raisin 100% pur jus, pas d'ajout de sucre, qui sert pour les enfants et pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Même avant que j'arrive ici, je sais que j'ai déjà des commandes. Je viens pas pour rien, parce que moi j'ai ma clientèle fidèle de Tours qui vient. Et bah, j'en suis content parce que moi mon chiffre d'affaires il est à peu près stable. Généralement, je compte, faut compter 15h, 19h. Bon, l'été, quand il fait beau, on peut rester un peu plus longtemps.